Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, on va colorier ce chat mignon de Halloween. On va commencer par le gris foncé pour notre chat. On va colorier l'intérieur de ses oreilles en rose. Et j'ai oublié quelque chose de primordial, la queue du chat. On va colorier son museau en rose, son collier en violet et la petite araignée en noir. On va colorier la chauve-souris bien sûr en noir. Et la marmite aussi en noir. Dans la marmite, il y a une potion verdâtre gluante. C'est sûrement la marmite de la sorcière. Et maintenant, on va colorier la citrouille en orange.
et le tronc en marron. Et on va colorier l'intérieur de sa bouche en noir. Et nous allons colorier le mot « bou » en violet, en vert et en orange, les couleurs de Halloween. Et pour le fond de l'image, je vais utiliser du vert et du violet. Et on va commencer par le vert. Et cette fois-ci, je le fais au crayon de couleur. Et je continue avec du violet, toujours au crayon de couleur. Et je vais faire la même chose avec ces trois bases, en vert, en violet et en orange. Et voilà notre chat avec la marmite et la citrouille, prêt pour Halloween. Mais il a l'air tout seul, le pauvre. Il a besoin de compagnie. Et voici la compagnie parfaite pour Halloween. On va d'abord détacher le fantôme. Et le mettre sur la feuille blanche. On va lui mettre des yeux noirs. Et une bouche noire aussi. Il essaye de nous faire peur. Je ne sais pas si ça marche. On va mettre une chauve-souris à côté. Une araignée de l'autre. Et bien sûr, une pierre tombale et une tête de mort de l'autre côté. Et voilà, le fantôme de Halloween est prêt.